pain? Oui. Au oh, père, tu n'aurais pas compris. Bravo les enfants. Bravo. Merci les enfants. Merci beaucoup. Sur le projet, la réhabilitation de l'école Ezalouer. Alors, Guillaume, la suivante. Ouais. Juste un petit élément de contexte. École qui a été construite en 79, presque 3000 m² de superficie, effectif maximum 315 personnes. Aujourd'hui, on a 276 élèves. Donc, c'est la plus grosse école de la ville. On a environ 850-900 élèves sur chemin, 4 écoles. Et là, on est sur notre plus gros groupe scolaire. En fait, en 2019-2020, comme je vous l'expliquais, monsieur le ministre, on a fait beaucoup de travaux en intérieur et on a investi en 2 ans 864 000 euros. Et donc, notamment, une grosse opération pendant l'été 2020. On avait, quoi qu'il arrive, l'étanchéité, l'isolation des plafonds à faire pour 355 000 euros. Et compte tenu du confinement et des difficultés économiques, pendant le confinement, j'ai dégagé une enveloppe de 300 000 euros pour faire des travaux qui n'était absolument pas prévu au départ, en se disant c'est le moment ou jamais d'aider les entreprises. Donc il y avait 300 000 euros supplémentaires. Et au final, on a presque rénové l'intégralité des circulations, les mises aux normes électriques, mise aux normes PMR, la chaufferie, je vous mets les poules, l'alarme incendie, c'est des sommes qu'on ne soupçonne pas, la mise aux normes électriques d'un bâtiment comme ça, un peu de LED, des revêtements de sol. Bon. Belle rénovation intérieure. Et on se dit, on a fait globalement l'intérieur, il faut peut-être faire quelque chose pour l'extérieur. Et on avait des devis pour 100 000, 150 000 euros pour faire un petit coup de karcher, un peu de peinture sur ce bâtiment qui est en béton. Mes services, mon directeur des services techniques, notamment, m'alertent sur, d'une part, les enjeux climatiques et notamment le décret tertiaire qui arrive, qui va imposer aux collectivités de faire d'énormes économies d'énergie. Les enseignants, l'équipe enseignante vous alerte aussi sur le fait que c'est une vraie passoire thermique et que les huisseries, vous le voyez, c'est tout seul bien isolé. Et on a un enjeu, c'est la qualité de l'air dans les bâtiments publics. Et avec le Covid, la qualité de l'air, c'est plus que jamais un enjeu important. Et donc on a décidé de travailler sur un projet bien plus sérieux, notamment parce que le plan de relance avait un programme et où on a pu obtenir une subvention de l'État que je remercie. Monsieur le préfet, le sous-préfet, Madame Vielle aussi, qui était à notre écoute. Et c'était un bon dispositif de mon point de vue, parce que parfois il y a des aides, c'est le fait d'aubaine. Quoi qu'il arrive, on le fait, donc on diminue le coût. Et là, on fait quelque chose qu'on n'aurait jamais fait, et je le dis clairement, sans l'aide de l'État. Et donc on a une très belle subvention, je reviendrai sur le plan de financement, avec 5 objectifs, donc les économies d'énergie, notamment rentrer dans les objectifs du décret tertiaire, moins 60% en 2050 pour le bâtiment de plus de 1000 m². Le confort été-hiver, les performances thermiques, la ventilation des locaux et la qualité de l'air intérieur, que là actuellement c'est un gros sujet. Redonner un aspect contemporain aux façades, c'est vrai qu'il faut aussi quand même avoir des bâtiments qui ont de l'allure, puisque c'est aussi la fierté qu'on donne aux enfants de leur établissement. Et puis, réaliser des travaux dans un délai contraint sur un site occupé. Et ça, c'est vraiment une grosse contrainte. Donc on va faire, on va remplacer les menuiseries extérieures, donc les fenêtres, mettre aussi des prises vue pour brise soleil, isolation thermique par l'extérieur, donc on va rajouter une couche pour isoler là, clairement, remplacer les robinets thermostatiques, mise en place des radiateurs à eau chaude dans une salle, mise en place d'éclairage haute performance, donc on passe tout en LED, mise en place d'une centrale de traitement double flux de l'air. Gros budget, ça, en l'occurrence, on ne soupçonne pas, et qui va nous permettre d'obtenir une économie d'énergie de 59%, soit environ sur une année normale, donc pas l'an dernier et pas l'année qui vient, parce que ça, c'est aussi un vrai sujet pour les collectivités. En année normale, sur un site comme ça, c'est 13 000 euros d'économie. Quand je dis en année normale, c'est que l'an dernier, on s'est pris sur Chevigny plus de 100 000 euros sur le gaz. Et l'an prochain, on prévoit encore 50 000 supplémentaires, donc 150 000 euros. C'est un vrai enjeu. On isole, on a un grand patrimoine. Et entre le prix et aussi quelque chose qu'on ne soupçonne pas, c'est les effets de l'aération toutes les demi-heures, qui fait que ça fait un pic de froid, donc un pic de chaleur. Enfin,
ça fait qu'on surconsomme énormément. Et on a, voilà. Donc, vous êtes au gaz là, dans l'école? On est au gaz. Ouais. Donc avec une chaudière neuve, performante, mais malgré tout, c'est du gaz. Le plan de financement, donc 1 700 000, enfin 1 700 000 hors taxe, avec une subvention de 510 000 euros de France Relance. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Le conseil régional, un programme de 350 000 euros et Philogie. Le conseil départemental, 150 000. C'est quoi ce programme régional, pardon? En gros, c'est des aides aux collectivités conditionnées à, disons, à l'amélioration de la performance thermique. Un programme très contraignant, parce qu'il faut biosourcer les matériaux. Donc ça nous pousse à nous améliorer, mais c'est un surcoût. Alors, voilà. Mais, faire le coût-bénéfice, oui. C'est toujours plus coûteux que ça nous rapporte réellement, mais en même temps, si on veut faire les choses bien, bah ça nous challenge un peu. Bon. Et au final, on aura un autofinancement. Le département, c'est sur le même type de... C'est un programme, un appel à projet de transition écologique. Donc ça c'est sur la ligne un peu transition. Voilà. Donc, un autofinancement très correct, 40%, c'est plutôt bien fait. Et au final, on aura, entre les travaux faits l'an dernier sur l'intérieur et... ces travaux-là on va avoir une école presque neuve. Au niveau du calendrier, on a signé les marchés décembre 2021, c'est la condition pour obtenir la subvention. Démarrage des travaux avril 2022, alors on commence, on a les premières réunions de chantier, d'organisation, de phasage, parce que c'est occupé, donc très compliqué. Et fin des travaux, madame la directrice, ça serait, malheureusement c'est jamais assez rapide pour moi, mais avril 2023. Donc voilà, donc malgré tout, ce sont des bonnes nouvelles. Voilà. Je voudrais, si vous n'avez pas de questions sur l'école, moi je voudrais vous parler d'un autre dispositif France Relance, parce qu'on a notre conseiller numérique. Et on a bénéficié pour la subvention pour l'école et également de nouvelles subventions pour les conseillers numériques. Il y avait un appel à projet, on a candidaté. Donc je dis deux mots, il se présentera ses actions. L'aide de l'État, c'était 50 000 euros pour 2 ans. Donc, nous, ça nous coûte un peu plus parce qu'on a le salaire un petit peu plus élevé, mais c'est une aide exceptionnelle. Et en fait, là aussi, il y a un effet de levier vraiment énorme parce que c'était pas du tout prévu qu'on embauche quelqu'un pour être conseiller numérique. On avait des personnels pas spécialisés dans les services jeunesse, pour les personnes âgées, mais qui avaient quelques heures par semaine, qui n'étaient pas spécialisés et qui répondaient pas complètement à l'ampleur de la demande. Là, on en a profité, et aujourd'hui, en 2023, quand les subventions s'arrêteraient, je pense que ça va être très difficile pour nous d'envisager de ne plus avoir de conseiller numérique, parce que c'est un vrai enjeu, notamment l'isolement des personnes âgées. Avec la dématérialisation, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont complètement perdues pour remplir leurs impôts, etc. Et le conseiller numérique répond à cette demande. Guillaume, c'est à vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Donc Guillaume Dubois est arrivé le 1er septembre. Et aujourd'hui, il répond... Enfin, on est très sollicité. Il est très sollicité, il va vous l'expliquer. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis conseiller numérique de la municipalité de Chevigny-Saint-Sauveur. J'ai pris mon poste au mois de septembre de cette année. Et on a déjà... viser quelques missions sur lesquelles je travaille déjà. Donc la lutte contre la fracture numérique qui représente environ 17% de la population française et surtout lutter contre l'électronisme. À côté de ça, on va aussi aller accompagner l'usager dans ses démarches administratives pour les démarches pour commander son permis, pour aller faire ses déclarations d'impôts, ce genre de choses. Il y a des missions aussi annexes au rôle du conseiller numérique. Il va y avoir de prendre en main un équipement informatique, de naviguer sur Internet en toute sécurité pour les usagers. Il va y avoir connaître l'environnement numérique et le vocabulaire qui va avec. Envoyer, recevoir et gérer ses mails. Il va y avoir apprendre les bases du traitement de texte et aussi créer, stocker, ranger, partager tous les contenus numériques qui peuvent créer. On a déjà mis quelques ateliers en place. Donc il y a un module d'apprentissage à l'informatique pour les seniors. Et le pass numérique diaptique. Je vais vous les présenter, ces deux modules. Donc il y a le premier module qui est l'informatique pour les seniors. Donc pourquoi? C'est dans un premier temps pour les rassurer à l'utilisation de l'outil informatique pour ensuite les emmener sur l'aide aux démarches administratives. Ça évite d'avoir deux craintes en même temps. Il va y avoir
À l'heure actuelle, on est sur 40 personnes qui suivent ces cours. On a commencé à remplir la liste d'attente. C'est des entrées et sorties perpétuelles. Ouais. Donc il va y avoir 4 groupes de 10 personnes qui sont accueillis chaque semaine sur 4 demi-journées. Et c'est des personnes qui sont de 60 ans et plus. Il y a le deuxième dispositif, le pass numérique dit haptique. Donc c'est pour accompagner les personnes dans les démarches en ligne pour accéder à leurs droits, CAF, Pôle emploi, ce genre de choses. On est en association avec les travailleurs sociaux du canton qui nous orientent les personnes vers nous avec un chéquier face haptique qui leur permet d'avoir 5 séances d'une heure. On peut monter jusqu'à 10 séances selon les cas et les besoins. Et on vise surtout les personnes éloignées du numérique, en recherche d'emploi, ou alors les parents qui veulent suivre la scolarité de leurs enfants via les plateformes mises à disposition. Lors de mes semaines type, il va y avoir aussi une permanence d'accompagnement aux démarches administratives. Donc ça représente 2 demi-journées par semaine. C'est un bureau qui m'a été mis à disposition à la mairie et où j'accueille les personnes dans un espace confidentiel pour traiter leur démarche. On va aller faire de la commande de permis, rassembler les pièces demandées lors d'une démarche administrative. On va aller compléter un dossier de démarche administrative, par exemple, quand ils n'ont pas l'équipement informatique qu'il faut pour le faire, par exemple. Et on a des projets qui vont être mis en place à court terme et à moyen terme. Donc il y a des actions de prévention en lien avec la sécurité du numérique. La petite enfance pour accompagner les assistantes maternelles et les parents dans les démarches pour déclarer leurs activités et leur fin d'activité. Il va y avoir des interventions en milieu scolaire pour la découverte du numérique et les métiers qui peuvent en découler. Il va y avoir aussi, on est en train de mener une étude pour voir la faisabilité de la mise en place d'un Fab Lab qui serait mobile, où on pourrait le déplacer dans les écoles. On a trouvé un Fab Lab qui est labellisé par l'éducation nationale. Et après, on va continuer de recréer un lien social. Les différentes missions que le conseiller numérique peut avoir, elles sont vraiment riches et variées. Et elles nous permettent vraiment d'être en contact vraiment permanent auprès de la population. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Guillaume. Peut-être dire deux ou trois mots à la fois sur le premier projet. Un projet, c'est physique, si je peux dire, et c'est plus humain, et c'est extrêmement important. Sur les questions de François Hollande, je dis, de M. le préfet et de ses équipes, on a voulu, vous l'avez très bien dit, M. le maire, c'est ce qu'on a voulu au travers de la relance, c'est de faire en sorte qu'on puisse booster des projets qui, sans ce dispositif-là, n'auraient pas existé. J'ai géré, quand j'étais petit, comme je dis souvent, des fonds européens, ce qu'on appelle l'effet levier. C'est pas simplement je rajoute 10% de subventions, c'est je fais en sorte de redonner plus d'ampleur à des projets, de permettre à des projets qui n'auraient pas existé d'être faits, et en particulier, je dis sous l'œil de la parlementaire, parce que c'est les parlementaires qui votent ces dispositifs, de faire en sorte que ça corresponde aussi à des objectifs qui sont des objectifs de transition, et d'un certain nombre de transitions, en particulier la transition écologique. Et c'est vrai que vous avez y compris les hivers comme ça, encore que l'hiver n'ait pas été à date touche du bois pour rigoureuse. Je ne sais pas si on saura s'en féliciter, mais avec ces cours-là du prix du gaz, on peut mieux s'en féliciter, si je permettez cette expression. Mais ça montre bien que quand on est très carboné, évidemment, on est encore plus soumis à ces fluctuations, et vous le dites d'une certaine façon. Et donc, plus on arrive à réduire la dépendance au carbone, soit parce qu'on réduit la consommation, soit parce qu'on change, on produit une énergie alternative, ce qui n'est pas toujours facile non plus, on fait. Donc, je voudrais juste saluer ce que vous avez saisi de la. Du plan de relance et de la volonté qui était la nôtre, d'accélérer les processus. Peut-être vous auriez attendu 10 ans et peut-être que ça aurait été autre chose, et peut-être que vous travaillez dans ces locaux, vous auriez trouvé que c'est peut-être un peu long. C'est aussi la qualité quand même du travail pour les équipes enseignantes, pour les équipes municipales qui travaillent dans ces écoles, et puis évidemment pour les enfants et leurs parents, accessoirement. Donc ça, c'est un premier élément du plan de relance, et je voudrais saluer parce qu'aussi la volonté du gouvernement, c'est que ce soit quelque chose qui aille vite. On dit trop souvent, parfois, que l'État, c'est long, etc. Preuve en est que non, et d'ailleurs y compris dans la crise Covid, pas seulement sur ces dispositifs-là, je pense que c'est la mise en chômage partiel, le passage, mais tout ça a été très vite, et c'est vrai que sur le plan de relance, que c'est une relance, c'est pas... On reviendra sur d'autres choses, sans doute un jour, mais la relance, c'est fait pour rapidement faire porter vos projets, puis que, au fond, ça permette à des artisans
les industriels de retrouver du travail. Donc ça marche plutôt bien et donc je voulais saluer ça. Il n'y aura plus qu'à attendre un peu que les tranches se fassent successivement et que je comprends ce que ça peut être en site occupé comme on fait des travaux. Évidemment, c'est toujours une difficulté supplémentaire. Je le connais assez puisque j'ai été maire moi-même 10 ans. J'ai à peu près une commune de 700 habitants, donc je ne suis pas perdu de ce que vous me racontez comme vous l'avez compris. Deuxièmement, sur les conseils numériques. J'aurais peut-être d'ailleurs juste une question pour ne pas allonger le propos et vous prendre trop de temps, mais là aussi, ça participe de quelque chose qu'on a senti. Alors, on a été très loin sur le haut débit, on a accéléré les procédures, on a un pays qui va être beaucoup mieux couvert au bout de 5 ans qu'il l'était il y a 5 ans, et on va être plutôt en phase avancée par rapport aux autres pays européens, y compris en amenant au dernier domicile, parfois dans des zones très peu denses, qui n'est pas la moindre des prouesses technologiques et même financières, parce que c'est quand même tout ça, c'est un peu d'argent. Mais ça, c'est bien, c'est les tuyaux, mais après, il ne suffit pas d'avoir les tuyaux. Et au fond, on voit bien que sur ces questions-là, il y a des tas de gens qui échappent à ces technologies-là parce qu'elles sont souvent liées effectivement à des démarches administratives. Les technologies plus démarches administratives, ça a tendance à faire peur. Alors, longtemps, on a cru que c'était une affaire de génération. C'était ceux qui n'avaient pas connu l'ordinateur qui étaient ceux qui étaient les plus. Mais au fond, les générations se recréent parce que c'est des gens qui, par ailleurs, sont souvent un peu à l'écart, un peu désocialisés, qui ont besoin d'un accompagnement humain, personnel. Moi, j'étais maire, je n'ose dire devant M. le Préfet qu'il m'est arrivé parfois sur des démarches administratives très poussées avec des gens qui disent, voilà ma déclaration d'impôt, comment je fais? On est un peu gêné parce qu'on se dit, pas moi de répondre à votre déclaration d'impôt. C'était il y a longtemps, il y a prescription. Mais j'avais rien d'illégal au fond, mais on rendait des services... Non, mais on rendait des services précieux que ce sont des gens qui se retrouvent face à des démarches administratives qui, même pour nous, déjà sont complexes. Et quand on y ajoute un sujet des technologies nouvelles, ça complique un peu les choses. Or, c'est quand même un outil formidable, une fois qu'on sait s'en saisir. Et donc, je voudrais saluer le travail que vous faites, parce que je pense que c'est un travail précieux de tiers de confiance. On renouvelle quelque chose qui était l'écrivain public. On a des gens qui font ce métier qui n'est plus le métier d'écrivain public. Ça, il y a longtemps qu'il a disparu. Quelque chose qui est de cet ordre-là d'un point de vue social. Encore que vous avez peut-être voilà. Il y a un peu de ça. Et c'est très précieux parce que ça permet aussi, c'est la volonté du gouvernement, de faire en sorte qu'on ne donne pas l'impression à des gens qu'on les laisse au bord du chemin. À chaque fois qu'il y a une démarche, c'est des choses sur lesquelles, en plus, il y a une forme de... Ils intériorisent une forme de... Une culpabilité est trop excessive, une forme de gêne de ne pas savoir comme les autres. Et donc c'est important, M. le maire, vous avez eu raison de se saisir de cette occasion. La seule question que j'avais, c'est... Donc, si je comprends bien, vous avez un bureau à la mairie, vous intervenez éventuellement dans les établissements scolaires... Et après, vous êtes localisé comment? Dans une France Service ou comment c'est lié à France Service? Alors, on n'est pas labellisé France Service. Ouais. M. Dubois, il est situé pour le moment à la médiathèque où il y a un point information jeunesse où on avait une salle informatique. Et en fait, on fait un travail d'identification avec mon adjointe aux personnes âgées qui est Catherine, qui est par là. Catherine, donc on identifie les personnes âgées, on va au-devant avec les visites à domicile, etc. Et puis, quand il y a des activités, on présente et on va chercher les personnes qui nous... Enfin, c'est vrai qu'il faut admettre d'être un peu en retard et d'être un peu... Oui, il faut pouvoir le dire avec la confiance. Donc, il faut travailler sur cette confiance-là. Oui. Et puis, on a mis un bureau aussi à l'accueil de la mairie pour travailler avec notre service accueil pour les démarches, pour qu'il y ait une simplicité de relation. Voilà. Donc, l'objectif, c'est que Guillaume soit mobile et aille... vers le public. D'accord. Et pas attendre le public parce que sinon c'est vrai on l'attend très longtemps. Donc nous on en est très contents et c'est vrai que alors, très franchement en 2020 moi dans mon programme jamais j'avais l'idée d'embaucher on était plutôt sur des effectifs stables et c'était pas dans nos projets et je me dis que à l'issue du dispositif on n'aura pas pris l'argent puis on libère. Le besoin est là. C'est un vrai besoin. Et puis on voit bien que le numérique, c'est l'avenir. Un engouement vraiment des collectivités dans les départements. Hein. Sur la Côte d'Or, c'est 47% ce qu'on peut financer. Ah oui. 47%. Ah oui, c'est énorme. C'est une très forte demande des collectivités. Ah oui, c'est un des départements où je vois le plus. La dynamique est très bonne. Et ça répond à un besoin. Vraiment. Puis ça crée une filière professionnelle. Oui. Parce que, mine de rien, tout le monde, moi je pourrais dire, je sais. Je sais expliquer l'informatique, non, en fait c'est un vrai métier. Guillaume il a un profil de formateur, il était avant au Greta, et il faisait de la formation informatique. Et expliquer quelque chose de compliqué de manière simple,
Bah, c'est quelque c'est un chose métier. De très compliqué. Voilà. Donc, et je vois qu'il faut beaucoup de patience pour expliquer à des personnes âgées pour qui tous les prérequis que nous on peut avoir parce que on travaille. C'est fluide, c'est naturel. C'est fluide, c'est naturel. Entrer les causes. Voilà. Donc voilà, il le fait avec beaucoup de patience et il y a un engouement parce que maintenant il y a une liste d'attente, vous voyez, donc comme quoi ça veut dire que le bouche à oreille commence à se faire et que ça marche. C'est des cibles, vous avez dit 4 fois des. J'ai 4 demi-journées par semaine. 4 fois demi-journées. J'accueille un groupe par semaine, donc 4 groupes par semaine de 10 personnes maximum. Pour vraiment stabiliser la qualité, l'écoute des besoins de chaque participant. Et en moyenne, un participant vient à combien de séances? Ça va dépendre du profil, parce que j'ai pas fait des groupes qui étaient par niveau. J'ai vraiment mélangé les niveaux pour qu'il y ait de la bienveillance dans ces groupes et qu'il y ait du lien social qui se crée. Et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Et en moyenne, les plus petits parcours vont être de 40 à 60 heures et on peut monter jusqu'à 80 heures de formation. On va commencer à 62 ans et j'ai jusqu'à 83 ans. Les personnes âgées sont très friands de ça. J'en ai eu comme ça dans ma vie. Ça a commencé à 85. Mais ils sont très friands parce que quand la relation avec les petits-enfants, oui, les petits-enfants qui voilà, même, avec le distanciel du Covid, le numérique a été un outil pour lutter contre la solitude. Et vraiment, pour eux, c'est vraiment une fouille d'oxygène. Est-ce qu'il y a des questions liées au télétravail qui font changer des choses qu'on vous demande? Non, les gens qui font du télétravail sont déjà habitués. La plupart des personnes que j'accueille à l'heure actuelle ne sont plus en activité, donc il n'y a pas de questions dans ce sens-là. Par contre, j'ai eu beaucoup de questions sur la création de groupes WhatsApp pour discuter. J'ai été surpris au départ, mais j'ai 4 groupes WhatsApp avec chacun des groupes que j'accueille et je peux discuter en temps réel avec eux entre chacune des séances. S'ils ont un besoin, ils peuvent me contacter avec ce groupe pour que je puisse répondre à leurs questions. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. C'est aussi ce qu'on a. Moi aussi, j'ai la particularité d'avoir des mères qui restent longtemps. Depuis 65, je suis le quatrième. Ah oui, c'est quand même la stabilité. Une fois qu'on y est, mais ça ne veut pas dire que je vais rester aussi longtemps. Non, enfin, tu vas rester qui hein. Heureusement. Bonsoir à la semaine. Je vous salue, naturellement. J'ai vu, je dois avouer. Oh, d'accord, oui, je sais. Je ne sais pas on peut autant se prêter. Je voudrais, en quelques mots, notamment pour la presse, et pour vous-même, monsieur le ministre, et l'ensemble des élus que je salue, redire peut-être que pour la métropole, la politique vélo a une part éminente. Éminente à la fois parce que les élus l'ont souhaité autour du président Rebsamen, mais aussi par rapport à l'urbanisme. C'est-à-dire que dans le PLUIHD, qui est notre plan local intercommunal d'urbanisme, nous y avons inclus deux volets, le volet à la fois habitat et aussi le volet de déplacement. Dans ce volet déplacement, nous avons souhaité augmenter la part de modal du vélo, de passer de 4% à 12%, ce qui est un effort considérable pour cette métropole de 257 000 habitants, avec 23 communes, mais aussi une volonté d'aller vers l'avant en essayant d'avoir une vraie réflexion sur la politique cyclable, en essayant de structurer les choses. Et actuellement, nous avons un schéma directeur cyclable autour de 4 points: hiérarchisation du réseau, développement de l'offre de stationnement, diversification de l'offre de services, sensibilisation des usagers à l'usage du cycle et aussi de la part, disons, d'inclusion dans l'ensemble des transports. La mise en œuvre du projet repose naturellement sur les soutiens. France Relance, puisqu'une partie a été apportée pour permettre justement la mise en œuvre de ce projet qui relie deux communes, Quetigny-Chevigny, avec naturellement une liaison intercommunale dans ce secteur qui faisait deux défauts, deux axes majeurs qui ont été aménagés en 2021. Ces axes, nous les connaissons, avenue de la Visitation entre Chevigny et Quetigny, et la route de Chevigny à Sensé pour rejoindre une liaison plus importante en termes de flux, Chevigny-Dijon via l'université, qui a aussi une université collective. Au niveau des travaux, c'est 500 mètres et 450 000 euros, donc des coûts importants,
mais aussi 1,8 km qui ont été menés avec un financement à hauteur de 700 000 euros, ce qui permet là aussi de montrer à la fois l'importance dans un schéma qui va s'amplifier en termes de structuration, de réalisation, parce que c'est aussi une manière d'intégrer cette mobilité, d'atteindre le monde. Très synthétique l'ensemble des éléments, peut-être que messieurs les maires souhaitent éventuellement apporter des éléments. Oui. Hiérarchiser les itinéraires, ça veut dire quoi hiérarchiser? C'est-à-dire d'avoir des autoroutes cyclables, ensuite des voies moins importantes et une capillarité ensuite. C'est vraiment raisonnement type routier. Sur voilà, c'est ça. Okay, mais ça de le faire avec des spécialistes du vélo. Comme vous êtes à grande échelle, voilà. C'est vrai que vous réfléchissez différemment. Donc c'est vraiment d'essayer, parce que la multiplication par 4 n'est pas simplement qu'un effet quantitatif, ceci, un effet qualitatif dans l'organisation de ces mobilités. Et si on ne prend pas en compte cet effet qualitatif, on aura, à mon avis, on aura multiplié, mais on n'aura pas réorganisé les mobilités au sein de la métropole. On a, je rappelle tout de même, depuis 2012, 19 km de tramway qui ont été faits en une seule fois sur deux lignes. Donc avec ce raisonnement de la mobilité, et on a inclus la mobilité dans l'urbanisme de la métropole, en lien avec les maires, pour essayer justement de restructurer l'urbanisme. La loi climat qui va nous imposer et nous contraindre avec les zéro artificialisation nette des sols, nous amène aussi à accentuer la mobilité, puisqu'on sait qu'on pourra reconstruire sur les terrains qui ont déjà été urbanisés, artificialiser et les désartificialiser en organisant ces mobilités. Donc la mobilité n'est pas simplement qu'une vision brute, quantitative, c'est aussi qualitatif dans l'organisation de l'urbanisation. Et ça c'est très important parce que ce qu'on vise dans l'urbanisation c'est la ville des courtes distances. Et avec l'effet du ZAN, on va devoir repenser tous les projets à l'aune en fait de cette restriction des capacités d'extension urbaine. Donc on travaille avec les collègues sur ces différents secteurs pour essayer vraiment d'avoir une mutation du bâti et une reconstruction de la ville sur elle-même avec une nouvelle mobilité. Donc la vice-présidente en charge, Mme Conders, qui est aussi première adjointe de Dijon, avec le président Absamen, l'ensemble des élus, les maires concernés et tous les conseillers métropolitains, on essaie justement d'accélérer ce processus. Et je pense que c'est à la fois une traduction concrète et on remercie aussi l'État de nous avoir accompagnés avec France Relance dans cette mutation de notre tissu et de notre réseau de pistes cyclables. Forcément, bien sûr, et puis aussi pour les aménagements cyclables. Bonjour. Oh bah décidément, voilà de l'autre côté aussi. Voilà. Ah bah dites donc. C'est un embouteillage. C'est un embouteillage, effectivement. Est-ce que la nouvelle piste convient aussi au déjà? Oui. Là, c'est une réalisation qui est attendue depuis quelques temps, donc bonne réalisation. Maintenant, ce qu'on espère, c'est un complément et puis un peu plus de sécurité. Priorité au vélo, là. Il y a encore la signalité. On veut le fermer, là, pour la mise en course. Pourtant, il y a une concertation. Il y a une concertation. Et puis peut-être dire aussi que la métropole met à disposition des trottinettes, ce qui va permettre aux Chevillois, en arrivant au tram, au terminus du tram avec les TV, de prendre la trottinette et de cheminer jusque chez le. Grâce à nous, vous serez sur trottinette. On ne veut pas vous empêcher de faire une inauguration en trottinette électrique. C'est un projet important, effectivement, d'autant plus qu'il y a un lycée tout le temps. Et il y a des équipes de pouvoir qui vont se faire la sécurité. Jamais un plan pour non, 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 on a des diffusions par la métropole de l'organisation. Mais c'est les collègues qui ont le mieux de faire que moi, qui sont habitués à cette culture du vélo. Et ça, c'est.
J'avais un peu perdu, oui. C'est une difficulté. Au-delà, en fait, la perception, éventuellement aussi la prise de temps, peur de prendre le vélo, parce qu'il y a de la circulation, donc c'est grâce aux associations, et notamment à cet échange de dialogue, qu'on arrive à basculer vers cette multiplication par 4 de la part modale du vélo. Et j'espère qu'on va y arriver, parce que sinon, on a déjà pas mal d'absence de fluidité dans certaines directions. On ne peut pas rester comme ça. Oui, je comprends. Il y a des beaux dispositifs, LED, pour réparer les vélos. Ah, un des freins, c'est que beaucoup de gens ont des vélos dans les... Oui, dans leur grenier. Dans leur grenier, et ils ne fonctionnent plus. Et personne ne sait réparer, moi le premier d'ailleurs. Et le fait d'avoir mis cette aide, etc., a permis de ressortir des vieux vélos. Et puis, c'est des choses comme ça, la culture vélo, c'est... Les gens ne les jetaient pas, en fait. Mais simplement, ils les utilisaient. Ici, c'est une patrie du vélo. On a inventé le dérailleur avec Simplex. C'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Il y a eu des grands constructeurs, il y en a encore un avec Lapierre, qui fait des vélos très haut de gamme. Qui équipe les professionnels. Les professionnels. Là, il faudrait demander à François Lapierre. C'est un beau Lapierre, ouais, ça. Là, vraiment, voilà. C'est de la Belgique, c'est des beaux vélos. Voilà, vous avez les beaux. Ah ouais, c'est des vélos. Des vélos professionnels. Là, on est des petits joueurs. Vous soyez pas modeste. Il y avait, on vous sent modeste. Non, c'est juste le plaisir de faire du vélo et de se promener dans la nature. Ça, c'est bien. Vous avez raison, c'est d'ailleurs. C'est pas le. La performance, c'est pas la compétition et la performance. Il y avait énormément de constructeurs sur Dijon. Et de pouvoir tranquillement vivre sa passion en tant que vélo, en passant dans des endroits sécurisés. Mais c'est sûr. Mais la sécurisation, c'est toujours l'enjeu. Donc effectivement, il faut des espaces sécurisés. Premier, voilà, c'est bon, l'enjeu premier. Le sentiment de sécurité à vélo, c'est quand même. Et l'éducation est importante dans les écoles, effectivement. Les politiques municipales y participent. Voilà, c'est une addition de. Oui, je suis d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Monsieur. On vous rend cyclable. On vous rend la piste cyclable. Vous êtes devenue un peu piétonnière. Eh bien voilà, nous sommes à Chevigny-Saint-Sauveur après la visite officielle. Et peut-être un petit mot de notre maire préféré de Chevigny-Saint-Sauveur, Guillaume. Bah écoutez, très satisfait, très fier d'accueillir un ministre, un représentant de l'État, qui est venu à Chevigny parce que la ville de Chevigny a été exemplaire dans le cadre du plan de relance. On a d'abord fait visiter l'école Esalouer, qui va bénéficier d'une importante subvention dans le cadre du plan de relance, une subvention de 500 000 euros pour un projet d'1,7 million hors taxe, où on va faire toute la rénovation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air intérieur avec un double flux, le préau, etc. Enfin donc, une belle rénovation de l'école Esalouer où il y a presque 270 enfants. On a pu aussi présenter le conseiller numérique, un poste financé largement par les fonds de l'État pour lutter contre l'exclusion numérique. Et puis là, on est sur la piste cyclable qui a été construite par Dijon Métropole avec une partie du soutien financier de l'État, dans le cadre également du plan de relance. Donc vous voyez, le ministre vient sur place pour voir si l'argent de l'État est bien dépensé et je pense que l'État, le ministre, a pu être rassuré sur l'usage qu'ont fait les collectivités de ces subventions qui ont permis d'accélérer l'aménagement et la modernisation de notre commune. Donc, grosse satisfaction et grande fierté d'être montré en exemple. Guillaume, est-ce que je peux me permettre que tu nous refasses les présentations des gens qui sont autour de toi, s'il te plaît ? À ma gauche, ma binôme au conseil départemental, Viviane Vuillermeau, qui représentait le conseil départemental, François Sauvadet. À ma droite, mon adjoint au sport et au déplacement doux, donc qui a suivi le dossier de l'aménagement de cette piste cyclable avec Nathalie Kunders à Dijon Métropole. Et puis. Et ben voilà, on va appeler Cathy. Catherine Victor, qui a été une part qui travaille beaucoup, notamment pour les personnes âgées sur les commémorations, mais là, qui nous a filé un petit coup de main pour être le contact de la préfecture pour l'organisation, pour faciliter l'organisation de cette séquence ministérielle, parce que c'est la venue d'un ministre, c'est beaucoup de préparatifs. Et donc, encore une fois, on parle de Chevigny et on peut être fier d'être une commune, non pas montrée du doigt parce que voilà, on est un mauvais élève, mais au contraire mise à l'honneur parce qu'on avance et voilà, on est montré en exemple. Donc, c'est une belle matinée. Merci à vous tous et bonne année puisqu'on est encore au mois de janvier et surtout la santé pour vous tous et vos proches. Merci beaucoup, à vous. Sylvie. Au revoir. Au revoir.